Shalom Alechem, on est dans Siman Shin Lamed Aleph. Moel Toshav Chutz La'aretz. Amemaker Be'eretz Yisrael Ve'oseh Yom Tov Sheni. Shel Galuyot She'are Da'ato Lachzor La'achar Miken Lechutz La'aretz Ve'era Mila Be'yom Ze. En Lo Lavul Be'mila Zo Ela Yesh La'adif Moel Mibnei Eretz Yisrael. Maintenant, on passe la Halakha Yud Het. Ce qu'on a fait cela hier. Moel Mitoshvei Eretz Yisrael Ha'shoheh Be'chutz La'aretz. Un Moël d'Israël, que lui qui est en Chutz La'aretz, et son intention de revenir en Israël. Et maintenant, il y a Brit Mila le deuxième jour de la fête. Non, il Chutz La'aretz. Il a l'intention de rentrer en Chutz La'aretz. En Israël. Lui, c'est un Israélien. Qu'il a l'attention. Il fait Moël Toshav Chutz La'aretz. Où tu vois Chutz La'aretz? Yud Het. Vous avez dit Yud Zayin? Non, Yud Het. Un Israélien qui est parti en France, c'est un Moël. Et maintenant, son intention aussi de revenir en Israël. Vera, et voilà, maintenant, le deuxième jour de la fête, il y a la Brit Mila. Yesh Omrim Sheyesh La'adif Moël Ze Shelegabav Yom Ze U Yom Chol Gamur. Al-Mu'alim Ahrim, Toshvei Chutz La'aretz. Il y en a qui veulent dire que c'est bien et c'est mieux de prendre ce Israélien-là pour que lui, le deuxième jour de la fête, c'est Chol, que de prendre un Moël de la France, que lui qui va transgresser Yom Tov Sheni. Et il y en a qui veulent dire que non, puisque maintenant la Brit Mila, elle se fait dans son temps, qu'elle, c'est pas une Brit Mila qui est repoussée, parce que si c'est une Brit Mila qui est repoussée, on n'a pas le droit de faire Yom Tov. Même Yom Tov Sheni. Maintenant, c'est une Brit Mila de Bezmana dans son temps. Il n'y a pas de lien de Hadifut, il n'y a pas un mieux que l'autre. Je prends le Moël que je veux. Et je peux prendre aussi le Moël français, et même que lui qui l'a transgressé, Yom Tov Sheni, quand même, puisque ça s'appelle une Brit Mila dans son temps, alors on peut faire qu'est-ce qu'on veut, on peut prendre même un Moël français. Et entre parenthèses, je dis, c'est bien, c'est conseillé, de prendre un Moël compétent. Compétent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a aussi Yirat Shamayim. Pareil qu'il sait bien les faire Brit Milot. Et là, qu'il a Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, que tu vois, qu'il est là, c'est un Moël, même un Tamid Chacham, que lui qui étudie la Torah, c'est mieux de prendre un Tamid Chacham, comme ici, c'est même le Rav Elbaz. Quel scoop que si maintenant c'est le Rav Elbaz que lui qui fait la Brit Mila. Quel? Tinok Shehala Venithet Milato. Il faut savoir qu'au moment de la Brit Mila, on dit le nom du petit. Il va s'appeler en Israël. Okay? On dit le nom. Le papa il vient vers le Moël et il lui dit le nom. Alors maintenant, quand le rabbi fait le kiddush, alors là, lui, il prononce le nom. Et au même moment que quand tu prononces le nom, alors là, qu'est-ce qui se passe? La nechame, le nefesh, une partie du nefesh, il rentre dans le corps du petit. Alors si maintenant tu as pensé Abraham, alors Abraham, Avinu, une partie d'Abraham, Avinu, il va rentrer dans le corps de l'enfant. Un itzotz, une étincelle d'Abraham, Avinu. Mais si tu penses Abraham, le tonton, alors là, il va être comme tonton. Ça bouge et ça joue beaucoup la Brit Mila. Quand un enfant... Il naît avant qu'il naît. Ça dépend aussi de papa et de maman. Quelle est l'attention après, pendant toute la grossesse, pendant les 9 mois, qu'est-ce qu'elle a fait maman? Elle change aussi le comportement de l'enfant. Elle peut avoir un enfant qui est calme. Ça dépend comment, qu'est-ce qu'elle fait la femme si elle est calme pendant toute sa grossesse. C'est bien, elle peut conseiller de manger des choses que ça calme. Pas comme des radis par exemple. Le radis, il chauffe. Les navets, ça chauffe. Les œufs, ça chauffe. C'est pas bien, il faut manger des choses qui calment. Hein? Et même la maman, pendant 9 mois, elle a un tafkid. Un tafkid, elle a un rôle très délicat. Il faut bien qu'elle voit des choses qui sont saines. Des fois, c'est l'enfant qui demande. Il demande. Des fois, c'est l'enfant, parce qu'il est sain, il demande à sa mère. Je ne veux pas que tu vas et je ne veux pas que tu vois des choses qui sont malhonnêtes. Il y a des mamans qui rencontrent que voici, je voulais voir. Et
comme il y a quelque chose qui m'empêchait, je ne pouvais pas voir. Oui, parce qu'il parle par télépathie. Voilà, le ventre, le bébé, et la Gemara a dit que le bébé dans le ventre de sa mère, il voit tout et il sait tout. D'accord ? Alors c'est pour cela, c'est bien de moment, et après, quand il naît, papa, quand il donne le nom, même pour une fille pareille, quand tu donnes le nom, il faut que tu penses le nom à une échama très haut. Il y a des gens qui inventent des noms. Ils inventent. Tinok shehalam yitrek minato ivri biyom tov. Sheni shel galiot bechutz laaretz. Un bébé qui vient de naître. Mais par contre, on a repoussé la petite mila. Et Baruch Hashem, il est en bonne santé maintenant. Et quand est-ce? Le deuxième jour de la fête. Chutz laaretz, il est en France. Même que Yom Tov Sheni, c'est plus qu'il au niveau de Halakha, quand même. Quand c'est pas Bismano. Quand c'est plus que c'est pas Bismano, c'est pas dans son temps, alors on repousse la Brit Mila le lendemain. Vive le Maharad ou Yom Hamishi ou Yom Shishi. Et on verra Bezat Hashem si maintenant ça, le lendemain de Yom Tov Sheni, ça tombe jeudi. Parce qu'il faut savoir selon la Halakha, on verra la Halakha plus loin si c'est Min Seif même. Si maintenant on a fait la Brit Mila, maintenant elle a été repoussée. Et maintenant, Baruch Hashem, l'enfant, il a guéri. Et ça tombe un jeudi. Un jeudi, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila quand c'est une Brit Mila qu'on a repoussée. Inok, Shemura, Bemenach, Meshot, Vechal, Yom, Hashmini, Beyom, Tov, Sheni, Shel Galiot, El, Lemulo, Beyom, Tov, Sheni. Un enfant que lui qui est né, Benach, Meshot. Benach, Meshot, ça veut dire. Pendant les 13 minutes, après du coucher du soleil, jusqu'à la sortie d'étoile, c'est 13 minutes et demie. Dans ce temps-là, maintenant, si le bébé il est né, okay, et maintenant, le huitième jour, il tombe, Yom Tov Sheni Shel Galuyot, okay, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila le deuxième jour, même le deuxième jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est Ben Hashmashot, c'est pas maintenant, okay. Puisque maintenant c'est Ben Hashmashot, on ne sait pas si c'est maintenant le jour d'avant ou le jour d'après. Quand même, puisque c'est dans un Safek, alors qu'est-ce qu'on fait? En général, qu'est-ce qu'on fait? On si c'était le jour d'avant, c'est bon, on peut faire. Non, on ne peut pas. Si c'était le jour d'avant, oui, bien sûr qu'on fait. Parce que c'est comme là. Comme si c'est un Safek, alors on n'a pas le droit de faire. Quel David Milah, Hazak, Mor.